putain, klaxonne, putain. T'as les le carou et le carillon. C'est ça. C'est le mystère d'Hidalgo qui vient avec ton bon. Je te jure. Merci pour le cadeau, frérot. Et ben avec grand plaisir. Tu vas faire une capette. Elle est bien en plus, elles sont comme les New Era. Elles sont bien coupées. Ouais. Made in France. Made in France, frérot. Made in France, LXH. C'est qui? C'est le patron qui t'a offert ça? Exactement. Exactement, exactement. Avec qui je travaille. Bah, je sais pas quelle... Je sais que t'en mets rarement des casquettes, mais bon, je me suis dit. Bah, tous les jours j'ai des casquettes, frère. Hein? Ah, c'était ironique! Ouais, petite boutade pour commencer. Oh, la boutade, ça commence mal! Prends la boutade! En tout cas, merci à toi. Frère. Bon, bah, tant mieux. ML63, phase 2. Phase 2 de 2015. AMG. On commence déjà tout de suite. Allez. AMG. Ça, j'ai toujours aimé ce bloc là. Ce bloc comme ça. Là, tu sais que le Rottweil il rentre. Voilà. Un coffre extrême. Ah là, ouais, t'as 600 litres. Qui n'en finit plus. Tu fais ce que tu veux. C'est une vraie voiture là, tu peux avoir une famille entière, ça dit pas un mot, frère. Exactement, même deux. Il faut juste faire gaffe l'été parce que c'est brûlant. Ah ouais, ok, ah ouais. Bien pensé, j'avais pas. J'avais et pas l'hiver, c'est glacé. Donc l'hiver, généralement, t'es pas en maillot, mais l'été, tu te mets là pour, tu vois, te taper les pieds quand t'as du sable dessus. Okay. Laisse tomber. C'est ouais, expérience vécue. Ah oui. Ça se voit. J'ai ça encore la marque. Coffre auto. Coffre auto, oui, vaut mieux. Et là, ce qui est très beau sur le nouveau, sur le ML, c'est que sur le phase 2, l'arrière est sublime avec les deux doubles sorties qui se marient avec perfection avec le diffuseur. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, elle est assez homogène. J'ai failli en avoir un comme ça. Failli. Ah, t'as pas eu d'AML? Si, j'ai eu le ML, ah, oui. Le premier rincé. Ah oui, c'est quoi? Celui-là de Jurassic Park. J'ai pas eu le phase 2. Mais écoute, je t'annonce qu'elle est à vendre. Si c'est jamais. Pas vrai. Ouais. Combien on veut? Ouh. Cher. C'est quoi cher? Le prix de vente, lui, il en voudrait 60. Non. Ouais, un peu plus, hein, dans ces eaux-là. 60? Mmh. Il y a combien de bandes? Ça, je pourrais plus te dire, j'ai oublié. Va voir. 60 euros. Tu m'insultes! T'arrives à voir? Je sais même pas où c'est là-dessus. Ah, je vais là après parce que là pour l'instant j'ai pas. 57 000. Ah non, 60 euros c'est un peu beaucoup là. C'est un peu beaucoup. Ah, écoute. 60 c'est un peu beaucoup. On va négocier avec lui. 60 c'est un peu beaucoup. Attends de l'essayer avant, tu vas voir. Il va te charmer, il va faire le taf. Là-dessus. Il va faire le taf. Ah, tu veux vraiment que je fasse le... Si tu veux vraiment que je me comporte comme si j'allais l'acheter? Non, frérot, non, on en sort à 20 000 balles là. Non, je t'assure, on en a parlé avant. C'est, on en sort à 20 000 balles là. C'est pas la peine, non, mais on va là. Ouais. Mais ouais. Non, c'est une belle voiture. Mais je pense que 60 c'est un peu cher pour le moment. 50 c'est bien. 50 000 c'est faisable. C'est une quelle année celle-là? 2015. 15, 50 ouais. C'est bien. 2015 et 50, alors ouais. T'as le pack AMG Performance. Oui, ça, il est beau, ça y a rien à dire. Il est beau, il est bien optionné. L'intérieur il est très bon, on verra ça après. Ouais. Non, ça se voit qu'il est beau, il est sain, mais frérot, moi aujourd'hui, maintenant tu viens, tu veux me le vendre, je mets 50. Voilà. Pas plus, parce que 60, ça commence à devenir très sérieux. 50, c'est bien pour un gros 4x4 comme ça. En plus, il est beau. Mais en plus, celle-ci doit bien marcher, celui-là en plus. Pas de perte. Ça marche comme il faut, tu verras. Ça marche grave. Ouais, c'est plutôt sympa. Tu veux le flash? Ça marche grave, oui, je vais le mettre, t'inquiète, t'en fais pas moi. Donc Carbonado qui est là. Ouais, ah, carbone, putain, ça va, est là. Ça. Très propre ado le Carbonado. Ouais, j'ai vu frérot. Le carbone, tout est à sa place. Donc c'est les moteurs turbo évidemment maintenant. Biturbo. Voilà. Exactement. Mais vous allez le voir les amis, pendant l'essai, le bruit n'a rien à envier aux Atmos. Très pratique l'hiver. Pour se réchauffer les mains. Ouais, de ouf. Hein, tu de vois, ouf. C'est une voiture, c'est assez voiture cool, que hein. Tu peux utiliser comme barbecue éventuellement. Exactement, par tout temps, par tout, qui pleuve, qui vente. Putain, le fion énorme. Qui pleuve, qui vente, etc. Enfin, le fion, on l'a oublié à la maison, là, hein, si je peux me permettre. Parce que, putain, c'est une brindille, il y a la pauvre. Alors, attends. Donc, ouais, et ensuite, t'as les côtés. T'as les marchepieds qui sont comme ça. Ouais. Regarde avec l'option trottoir. Sympathique. Ouais, je vois qu'il est fatigué, ouais, frérot. C'est très rare. C'est l'option chez Mercedes, exprès pour le trottoir. Ça épouse directement la courbe du trottoir arrondi. C'est très sympa. Et on l'a pris vert anglais, tu vois. C'est, voilà. On a trouvé ça sympa, du côté british. On s'est dit pourquoi pas. Et
C'est pas celui qui a tourné dans le Jurassic Park, celui-là. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Celui-là, il a fait Fast and Furious, il a fait 6 tonneaux et on l'a récupéré comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, je t'explique. Il l'a prêté à son ex-femme maintenant. On comprend mieux pourquoi. Ouais. Il était nickel. Il lui a prêté genre un mois et demi. En un mois et demi, elle a réussi à faire toutes les jambes. Elle s'est fait un plaisir. Ça, ouais. La porte, ça et l'aile. Exactement. Okay. C'est bon. Exactement. Pas mal. D'accord. Ça peut avoir le compas dans l'œil. Ouais, bah elle a du pif là. C'est depuis, c'est son ex-femme, c'est ça? Exactement, depuis. On comprend. Voilà. On comprend mieux, oui. Salut ex-femme. Salut, ouais. Salut ex. Il y en a qui ont sauté pour moi. Salut à tous les ex d'ailleurs. Il y en a qu'elles sont en vie. C'est votre chambre à femme, elle a même la rend comme ça. Waouh. Waouh. Déjà, je la prête pas. Putain, elle a deux jambes. Waouh. Ouais, elle s'est fait un plaisir. Putain. Là, t'as vraiment envie. Moi, un truc comme ça. Ouais, c'est fait un plaisir. Ouais. C'est fait un plaisir. Il va avoir des choses à se reprocher hein, si elle s'en est servie comme ça. Par contre, de l'intérieur, il est nickel. Ah, à l'intérieur, il n'y a rien à redire. L'intérieur, il est nickel. Ouais. Voilà. L'alu, le surpiqué un peu matelassé comme ça. C'est très bien. L'alu aussi ici. AMG qui s'allume. Les beaux baquets. Les sièges ne sont pas bouffés, c'est très bien. Ouais, elle a des beaux sièges. Et ensuite, la console centrale a l'air vachement saine. Le volant n'a pas l'air d'être bouffé, donc c'est bien. Un peu l'Alcantara. Ouais, mais ça, c'est normal, voilà, ça vieillit mal de toutes les manières. Mais franchement, ouais, ils ont réusiné tout le tableau de bord. Franchement, c'est beau. C'est beau, c'est gondolé, c'est beau. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette voiture, moi. En plus, ça marche énormément fort. C'est bon, ouais. Ça marche comme jamais, genre. Les gens sont surpris généralement. T'as jamais essayé, Alex? Ça non, j'ai jamais monté, jamais. Tu vas voir ce que c'est. Le seul truc que j'ai essayé, c'est le GLE coupé. Ça n'est pas la même chose. Mais 450 en plus, donc. Le casque, c'est pour le périph, on sait jamais. Ouais, j'ai compris. Il y a des flashs. C'est la voiture de la société, tu vois, on balance plus. On dit non, c'était pas moi. Ouais, non, c'est une belle voiture. J'aime bien, moi. Tu nous la démarres, Franck, qu'on entende le bruit? Bien sûr. Enfin, le son, pardon, avant d'y aller, j'ai fermé le capot. Alors, il ne faut pas se fier au petit bruit du départ. Il est feutré. À l'arrêt, il est feutré. Là, il est feutré. Par contre, une fois qu'il va commencer à accélérer, là, ça va commencer à ronronner, Alex. Comme le C. Bah non. C'est bizarre. En même temps, il y a les turbos, donc c'est d'une manière différente. C'est un bruit qui est vraiment différent. Ouais. C'est un bruit beaucoup plus... Tu vois? Bah, tu vas voir. Piqué au bout, de toute façon. Oui, mais tu vas voir. C'est un bruit beaucoup. C'est différent plus des E et des C63 avec le même V. Le ML, il a un bruit. Ah ouais? Ouais, tu le reconnais. Ok. T'sais, c'est une voiture de voix. C'est là quoi. Okay. Tu vois? Tiens, faire les gens demandent avec, si tu veux. Ouais. Shatterton, la dégueulasse de Gitan. Ouais. Bonjour. Salut. La communauté. Grand plaisir. On est plaqué 13, la voiture, à la base. Vu que maintenant elle est à Paris, on s'est mis un petit Shatterton. Histoire de... Le nombre de contrôles que vous devez avoir avec cette bagnole, ça doit être inépuisable. Là, tu comptes deux par jour, ouais. En roulant tranquillement, ouais, c'est ça. C'est pas possible. Ah, c'est... Ouais. Elle attire. Toi, c'est une voiture que t'as amené à conduire souvent. Ouais, régulièrement, ouais. Qu'est-ce que tu lui trouves à lui redire? Qu'est-ce que t'aimes pas? Ce que j'aime pas, c'est sa consommation. C'est quoi ça? C'est 25-30 litres là-dedans, non? Ouais, minimum. Sinon, après, quand tu tires la bourre sur l'autoroute, on part sur du... Mon record, c'était 49 litres au 100 en tirant la bourre. C'est bien. C'était sympa, tu vois l'aiguille, tu sais qu'il bouge à vue d'œil, comme un muscle car idiot. C'est... Voilà. T'as vu ce que ça marche, Alex? Putain, la vache! Ah ouais, d'accord. Ouais, non, je t'ai dit, il y a ce 4x4 là, il est très très dangereux. C'est un slipper Le Cayenne Turbo, c'est pour moi les deux vrais 4x4 du Seigneur. Ouais. Et qu'est-ce que t'aimes beaucoup dans cette voiture? Alors, le bruit. Ouais. Sensation de conduite, parce que t'as l'impression d'être, tu sais, de dominer la route, c'est un bateau. Ouais. Et franchement, t'es au top et tu effleures la pédale, c'est bon. Ça part tout de suite. Ah ouais, là c'est top. Tu vois, tu peux rouler, Là, tu vois, je suis à 40, tranquille, etc. Là, on roule tranquille, etc. Voilà. Ouais, non, c'est une bonne voiture, franchement. Exactement. Et puis dedans, t'as un sentiment de sécurité de ouf. Ouais. Ah oui, c'est ça. Tu te sens bien, tu te sens à l'abri. Ouais, c'est vrai. Agréable. Et toi, donc du coup, maintenant vous êtes d'où, vous? Du sud de Marseille à la base. Ouais. Et voilà, on a déménagé tous à Paris pour le boulot. Et du coup, je me demande bien ce que vous devez faire. On fait des allers-retours entre Marseille, Paris. D'accord. Non, pas du tout.
Alors moi je suis dans la représentation publique de sportifs de haut niveau. Tout droit pardon ou Tu veux frérot, fais-toi plaisir. Moi je suis un sportif de haut niveau. Eh ouais, c'est pour ça, on s'est dit tiens pour le babyfoot on avait personne, on va prendre un Tu m'étonnes putain. Donc c'est sympa, c'est super intéressant, je rencontre des gens super. Donc t'as vécu toute ta vie à Marseille? Ouais, je suis à Paris depuis 2 ans. Ah oui, bon, ça va quand même, voilà. Oui. Et pour toi, purement automobilement parlant, la différence flagrante entre Paris et Marseille, c'est quoi? Alors en fait, si tu veux, nous on a notre propre code de la route, si tu veux. À Marseille? À Marseille, ouais. C'est la loi du plus gros. D'accord. C'est-à-dire qu'un mec dans son bon droit qui arrive en scooter ou en vélo ou en smart, s'il voit un fou qui déboîte, s'il a un gros 4x4, il va le laisser passer. Okay. C'est assez particulier et puis les sudistes sont très sanguins. Ouais. Et voilà. Mais ils joignent le geste à la parole, si tu veux. Alors qu'à Paris, ça gueule, mais ça lève les vitres. Tu vois? Ouais, c'est ce que j'ai vu. T'as pas tort. Alors qu'à Marseille, le mec va descendre et ça descend tout de suite et ça déclenche. Voilà, c'est bon. Mais on évite parce que ça déclenche, mais parfois voilà, les mecs sont équipés, etc. Enfin, bon, bref, t'allumes BFM, tu comprends de toute façon comment ça se passe. C'est pas évident. Mais bon, voilà. Sinon, à Paris, non, franchement, on m'a dit, tu vas voir, etc. C'est des cons, mais je trouve pas. Je les trouve plus calmes, plus posés. Il y a que les taxis à la limite qui m'agacent un peu de temps en temps. Ah, les taxis, tu les trouves agressifs ici? Ouais, ils sont un petit peu. Tu sens que la route et la ville, c'est leur outil de travail, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance un peu à les laisser passer parce que les mecs bossent, tu vois. J'essaie de pas trop les mettre en galère. Non, c'est vrai que, ouais. Le mec s'est pris 8 heures de bagnole, tu vois. Il y a qu'une envie, c'est de finir sa course et rentrer chez lui. Toi, t'es là entre. C'est vrai. L'état des routes chez vous, c'est défoncé ou c'est comme chez nous? Ah non, c'est nickel. Parce que nous, c'est défoncé. Ouais, là, c'est un enfer. Parce que moi, je suis motard à la base, donc je roule beaucoup en deux roues. Tu roules avec quoi? Alors, j'ai une Triumph Scrambler, édition Steve McQueen, c'est mon bébé d'amour que j'aime à la folie. Et j'ai deux Harley, j'ai une Dyna et un Sportster. Bravo. Voilà. Et tu roules à Paris avec? Non, j'ai tout laissé dans le sud, sous bâche, dans un box, tranquille pour quand je redescends. Et à Paris, j'ai un scooter. D'accord. J'ai un scooter. Ouais, t'as bien compris le truc quoi. Ah ouais. Tous mes potes m'ont dit, mais t'es con quoi, tu les montes pas, t'es fou, tu veux qu'elles prennent 10 ans, 2 mois ou quoi la moto. Il pleut, tu montes dans l'enfer. C'est vrai qu'ici les voitures se fatiguent très rapidement malheureusement. Ouais. Mais bon. C'est cool ça en tout cas, franchement. Et puis ouais, c'est le premier ML63 de la chaîne. C'est ce que je me suis dit en fait, parce que vu qu'elle va dégager, je me suis dit tant qu'à faire, autant la faire découvrir un peu aux gens. Ouais, non, c'est vrai. Même si c'est pas la mienne, tu vois, je le dis, etc. Moi j'ai aucun problème avec ça. Qu'est-ce que vous allez reprendre après? On a grave envie d'un SVR. Ouais, bravo. Et ouais, pour le côté, surtout pour le bruit quoi. Moi je suis un gaga du SVR, rien que pour le bruit. J'ai un ami qui en a un là qui est à vendre. On va voir. C'est rush? Ouais, ça reste encore cher. Ouais, ça reste encore cher. Et il en veut quoi? 80? 96. Ah merde. Ouais, c'est évident. Guide-moi là. Tout droit où tu veux. Bah, pas tout droit, frère. Il est de quelle année? Ça, il est récent. Je peux pas. Je crois 2016 ou 2017. Ouais, enfin, c'est franchement les. Je sais pas si c'est la face du mec qui est venu avec le bleu carbone. Non, parce que le bleu carbone c'était le tout dernier. Ah voilà, donc c'est pas ça. Parce que celui-là niveau price, frérot, on aurait tous parlé chinois. Laisse tomber, tu te m'as bégayé là. J'étais amoureux, mais bon. Puis, pas à ce point. Non, puis je le trouve un peu mature. Tu vois, je l'assumerai pas, on va dire. Surtout, celui-là, cette phase-là? Avec ma dégaine, mon âge, etc. Si tu veux, moi j'ai une éducation qui fait qu'on essaie de rester un peu tranquille parce qu'on n'aime pas trop. C'est la culture un peu du sud, en dépit des apparences. T'as beaucoup de très belles voitures, mais que tu vois que le dimanche matin très tôt et les mecs se cassent sur la Côte d'Azur, tu vois. Tu les vois pas dans Marseille, tu les vois pas rouler. C'est un peu le principe de Paris aussi. Si tu te lèves en été, le dimanche matin très tôt, tu peux voir toutes les anciennes voitures qui sortent de Paris. Et c'est un balai extrêmement, c'est sublime. C'est exactement. J'avais vu une GTO une fois avenue Montaigne, j'ai halluciné, je me suis dit qu'est-ce que ça fout là quoi. Même Ferrari Daytona et tout, moi j'ai vu c'était à droite s'il te plaît. Ouais. Non mais c'est vrai que l'été quand tu travailles très tôt à Paris et tu te mets vers Porte de la Muette et tous les extérieurs comme ça, tu peux voir des très très belles voitures qui quittent Paris en fait pour aller juste passer la journée dehors quoi. Parce que franchement à Paris écoute déjà t'as fait le tour très vite. Deux c'est chiant. Tu as cul si tu veux, au bout d'un moment. Non, les mecs font un plaisir, ils partent à Deauville, etc. Moi j'étais ce week-end, c'est la première fois que je voyais Deauville. C'est vrai? Ah ouais, c'est magnifique, j'adorais. C'est beau.
dirait Megève mais en Normandie. C'est tout mignon, tout préservé, ouais, ouais, mais avec le côté, tu sais, vachement. Moi j'emmène souvent Alex pour lui faire le fion là, le week-end. Ah, t'as bien raison. À la ferme Saint-Cym. Saint-Cym, c'est. Ouais. Pas mal. Ouais. Non, mais franchement, ouais, c'est une belle voiture en tout cas. Et puis tu vois, sur les pavés. Bon, là en plus, je suis en sport. Ouais. Mais avec la direction, la suspension, pardon, sport aussi, ouais, qui est là. Ouais. Sinon, je peux la mettre en sport plus ou en peu fort aussi. Et tu vois, même tout ça, ça reste sobre. Hein. Ouais, c'est non, pas genre c'est pas extrême. Tac, non, ouais, c'est pas extrême du tout. C'est assez agréable. Bon, là, cette belle sensation de hauteur en tout cas. Ouais, ça c'est génial ça. Ouais, ça c'est vraiment bon. Les bruits des bips Mercedes aussi. C'est génial ça. En plus, c'est là le Harman, donc c'est bien, le bon son. Ah, après, je t'aurais bien fait écouter, mais là, je pense que YouTube va pas aimer. Non, malheureusement, on peut pas, frérot. Ouais, il faut pas aimer. Donc, ça c'est du piano black et tout. Non, franchement, elle est belle. Ouais, c'est. Non, elle est bon, après, t'as l'extérieur qui est un peu fatigué. Non, mais ça, franchement, tu fais un coup de carrosserie, des jantes. Ah, tu fais rien, tu fais les 4 jantes, la carrosserie, c'est fini, elle est nickel la voiture. Carrément. C'est fini. Tu veux faire Montaigne, François 1er, Petit Palais? On peut faire. Non, on peut faire là tout droit. Comme tu veux. Ouais, on peut faire tout droit. C'était pour envoyer un dernier coup hors que sur les champs, si tu veux. Ah, tu veux. Ok, bah alors prends Montaigne alors du coup. Ouais. Parce que après la petite rue derrière, tu sais, pour arriver à François 1er, celle-là, j'avoue que. On l'affectionne. Vous aussi. Ah. On s'est vite adapté. Ouais, je vois ça, ouais. Ah, mais franchement, Alex, t'en penses quoi du coup, toi? Parce que bah, t'es silencieux. Comme vous le dites, la sensation d'être en hauteur, ça fait du bien. Le son, il est bien. Là, t'es en sport plus, tout ce la guerre là? Là, je suis la semi-guerre. Oh, ok, t'es la semi-guerre. Semi-guerre, mais avec le pied, franchement, là, je conduis à l'orteil. Si tu veux. D'accord, c'est très confortable. Ouais. Et j'ai hâte de voir sur l'avenue Montaigne comment ça va un peu plus envoyer, tu vois. Si tu veux, je t'ouvre les fenêtres et t'entendras peut-être plus le bruit. Ah, parce que ça, ouais, c'est feutré, c'est particulier, c'est pas mal vu comme bruit. Ce que je reproche un peu d'ailleurs, parce que le bruit est sympa, il est enveloppant, mais il est pas extrême. Pas comme un XDR, la F-Type SB. Ouais, c'est une très belle bagnole. Ah, ça ou Aston Martin, ça c'est les. C'est franchement. C'est Ah, oh, passe Pedro. Vache. Tu vois, le bruit est. Ouais, ça souffle là. Tu vois, c'est fond. Tu sens ouais. le. C'est une espèce de TGV quoi. Ah non, c'est vrai. Ouais. Je passe. Et puis ça freine évidemment très bien. Ouais. Oui, alors, ça aussi c'est fou. Avec le pack AMG Perf, justement, t'as les freins qui suivent. Ça fait partie du pack. T'as des gros freins renforcés, etc. Pour arrêter la locomotive quoi. Si je dis pas de bêtises, il fait 2 tonnes 8, c'est énorme. Ouais, c'est très lourd comme ouais, ouais. Là, mais elle est très belle. Mais tu le sens peu. Ouais. Si tu mets le bon gage de suspension, etc. Bon, par contre, faut pas attaquer dans les petites routes là, forcément. Tu as plus de chances de venir sur le toit qu'arriver chez toi. Okay. C'est, ouais, non, c'est un dragster quoi. Ouais, ça sert juste à ça, franchement. Tu l'as amené au ski un peu celui-là ou non? Oui. Alors? Ça va. Je m'attendais à mieux. Ouais. Mais ça va, ça fait le job, ça bouge pas. Je mets en mode 4x4, là tu as les boutons franchissement, ouais, machin truc. Ça fait le job. Bon bah franchement, très bien. C'était un essai, on a bien résumé pour que les gens connaissent cette voiture parce que c'est la première de la chaîne, donc c'est normal qu'on devait. On devait s'y attarder comme ça et poser aussi autant de questions. Et c'est bien d'avoir ton ressenti. En tout cas, tu veux les réseaux, quelque chose ou... Ouais, moi, mon Instagram, c'est Carta, C-A-R-T-A, avec un point entre chaque lettre. Mais bon, normalement, si tu tapes Carta, C-A-R-T-A, tu me trouves facilement. D'accord. Essaye de ne pas passer la chicane. Ça marche, hein. Putain, c'est extrême. Donc, C-A-R-T-A. C'est ARTA, ouais. Très et bien. Ceux qui sont intéressés par les casquettes, si vous les trouvez stylées, le Instagram de la marque, c'est LXH Brand Official. Super. Voilà. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Alex, son Instagram, c'est AlphaDelta06. Le mien, Akram Junior. Et puis là, tu peux aller prendre là tout droit. Et les amis, je vous dis à bientôt. Salut.